Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Quelle est-elle cette vidéo? L'utilisation en dur de Kubuntu 20.04. Donc Kubuntu, c'est Ubuntu 20.04 avec l'environnement de bureau KDE Plasma. Alors vous l'avez vu, j'ai démarré la machine, j'ai installé donc simple screen recorder. Déjà ça, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas du tout, mais alors là pas du tout, un spécialiste de l'environnement de bureau KDE. Tout ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on oppose les deux grands ténors, les deux grands poids lourds des environnements de bureau sous Linux, qui est GNOME et KDE. Dernièrement, j'ai fait une petite présentation de Ubuntu 20.04, donc système installé en dur sur la même machine que celle-ci. Hein, GNOME qui se veut épuré, sobre, KDE qui se veut nativement par défaut un environnement de bureau proposant tout, mais alors je dis bien tout, out of the box. C'est bien simple, j'ai juste fait le tour 2 minutes avant et déjà, et en 2 minutes j'ai fait oh génial, et super, oh pas. Voilà, je m'exclamais un peu sur tout. Voilà. Pourquoi je n'ai jamais utilisé KDE? Ben, je n'en sais rien. Mon parcours, en gros, c'est simple. J'ai commencé avec Ubuntu, je sais plus, ça date. Oh ouais, ça date. 8 points et quelque chose. Donc, Ubuntu sous GNOME 2. Bien évidemment, je suis passé à Unity. Ensuite, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé toujours Ubuntu, mais XFCE, donc Ubuntu. Ensuite, quoi? Ah bien, toujours Ubuntu, mais avec l'environnement de bureau Mate. Ensuite, quoi? Un petit saut sur Debian. Puis, je suis revenu sur Ubuntu XFCE, donc Ubuntu. Et puis, depuis plusieurs années, eh bien, je suis sur Mint. Mais Ubuntu KDE ou peu importe, mais utilisateur de l'environnement de bureau KDE, je n'ai jamais été. Je l'ai déjà testé, donc via des installations en dur sur certaines de mes machines. Voilà, je le testais pendant quelques jours, une semaine, et puis voilà, je bazardais. Pourquoi? Parce que à l'époque, ce n'était pas KDE Plasma. Hein, c'était KDE, donc quand on dit KDE Plasma, c'est KDE 5 points et quelque chose. J'ai toujours testé KDE version 4 points et quelque chose. Donc j'ai utilisé KDE avant les gros travaux opérés par l'équipe KDE. Et dans les gros travaux, il y avait quoi? Allègement de l'environnement de bureau. Donc avant, KDE était quand même lourd. Vous allez voir qu'ici, bah, voilà, on ne peut plus parler de lourdeur. Hein. Donc, la preuve, première chose, on va faire Cassisgrat, voilà. Charge du système. Ah ben voilà, je suis déjà dessus. Voilà ce que ça donne. Attention, je record, hein. On est d'accord? Je record. Petit rappel, la machine. Donc, Workstation HP Compact DC 7800 CM, CM pour convertible mini tower. Le processeur, un Intel Core 2 Quad QC 9300, donc 4 cœurs, 4 tweets, cadencé à 2,50 GHz. 6 Go de RAM DDR2, cadencé à 800 MHz. Quand je dis 6 Go de RAM, il y en a 5. 800 et quelque chose d'effectif. Au niveau du périphérique de stockage, un périphérique de type SSD de marque Crucial 240 Go. Au niveau du GPU, bon, il y a le High GPU, donc le GPU intégré au processeur, mais il est off puisque j'utilise un GPU dédié de marque Nvidia de type GeForce 405. Voilà, on peut voir qu'avec simple screen recorder de lancer et en utilisation, j'utilise 570, 580 mégas. Seulement, oui, seulement. Alors, tout est reconnu sur cette machine. Seul petit problème, mais je pense que c'est dû un peu à la vieillesse du matériel. Puisque déjà sous Windows, j'ai eu pas mal. Si j'installe Windows sur cette machine, ça fonctionne bien. Mais je vais avoir des freezes. Je vais avoir des problèmes avec la mise en veille. Ou
Voilà, j'ai eu énormément de mal. J'ai déjà dû mettre à jour mon BIOS, ce qui m'a permis d'avoir la fonctionnalité HCI au niveau des disques. Oui, parce qu'il n'y avait pas, c'était que de l'IDE. Déjà, la mise à jour du BIOS a réglé pas mal de soucis. J'ai dû aller chercher quelques drivers pour mettre à jour certains chipsets sur les cartes mères. Donc voilà, je ne peux pas en vouloir à Linux. Hier, je me suis rendu compte que la mise en veille posait souci sur cet Ubuntu KDE 20.04. Voilà. Je me suis empressé de vérifier si Ubuntu 20.04 avait le même souci. Ubuntu 20.04 a le même souci. Soit ça vient d'un chipset au niveau de la CM qui est mal géré, ou peut-être, je penche, peut-être pour un problème au niveau du pilote graphique, puisqu'ici j'utilise comme pilote graphique le pilote libre nouveau pour gérer le GPU. Parce que lors de la mise en veille, en fait il se met bien en veille, mais il n'arrive pas à revenir à lui. Et lorsque j'appuie assez longuement sur le bouton d'alimentation, il y a un message d'erreur qui pointe du doigt le pilote graphique nouveau. Voilà, à voir, c'est peut-être une piste, mais je peux pas en vouloir à Ubuntu et à ses variantes officielles. Le matériel est assez vieillot. Quand on utilise ce genre de matériel, on marche un peu sur des œufs. Ça fonctionne bien, mais tout peut pas être parfait. Voilà. Ok, alors comme je l'ai dit, je connais pas beaucoup l'environnement de bureau KDE. Donc si je fais info système, qu'avons-nous? Information système. Ubuntu 20.04. Donc version de KDE Plasma 5.18.4. Version de KDE Framework 5.68.0. Version de Qt. Pardon. Pardon, de Qt. De Qt. Alors, dire Qt n'est pas une faute. Hein. Qt en français se prononce Qt. Voilà. Donc, si je veux dire Qt, je peux. Je suis belge, je parle le français, donc je peux dire Qt. Mais si je vais être à la mode, ben je dirais Qt. J'utilise la version de Qt 5.12.8. Version du noyau 5.4.0, révision 28, architecture 64. Et on peut voir 4 cœurs d'un Intel Core 2 Quad Q9300 4.5250. Wow. On y est? Alors, ce que je vais directement faire, c'est faire ceci. Oui, donc qu'avons-nous? Si, attendez, je vais faire, si je fais console, console, voilà, si je fais ça et que je fais Dolphin, donc le gestionnaire, donc console, instance terminale, Dolphin, gestionnaire de fichiers. Ici, directement, boum, splendide. Splendide. Alors sur ma machine, ça tourne très bien. Peut-être qu'en vidéo, les animations ne sont pas d'une fluidité exemplaire, mais dites-vous que j'enregistre avec un taux de frame de 24 images secondes. Bas, ben parce que voilà, c'est une machine assez ancienne, je peux pas leur demander trop. D'ailleurs, voilà, si je fais K6 Gart, vous voyez bien que j'utilise plus ou moins entre 30 et 40% des ressources CP. Donc si je clique là, ben, tout sera bas. Si je clique là, tout revient. Oh, c'est magnifique! Regardez. Alors ici, nous avons, on va tout rabattre, nous avons l'heure qui donne une vue sur le calendrier. Nous avons quoi? Ah, la zone de notif cachée. État et notification. Notification, donc notification, coffre-fort, light, color, contrôle. Donc un peu comme Redshift. Si je clique. Couleur de nuit désactivée. Couleur de nuit activée. Génial. Presse-papier. Mais il y a tout. KDE propose tout par défaut. Vous voyez, sous GNOME, ben, j'ai dû ajouter l'extension Clipboard Manager, je pense, un truc comme ça. Voilà. Mais GNOME, voilà, gère maintenant, depuis peu, la couleur de nuit. Ici, c'est quoi? Batterie et luminosité. On peut voir le niveau de pourcentage de la batterie de ma Wireless Mouse, qui est une Logitech M560. Ici, indicateur de clavier. On peut voir que c'est verrouillé. Ici, KDE Connect. Ah,
Installer KDE Connect sur votre appareil Android pour l'intégrer à Plasma. D'accord. Ici, c'est quoi? Notification de nouveaux périphériques. Génial. Là, waouh, tout ce qui est son, périphérique, application, on peut voir que Simple Screen Recorder est lancé. Génial. Il me botte bien cet environnement de bureau là. Connexion filaire, voilà. Le micro. Bluetooth. Donc Simple Screen Recorder. Qui est là. Pas mal, hein. Et les mises à jour. C'est Discover qui va s'occuper de la gestion des mises à jour. Attention, pas que d'effectuer les mises à jour sur le système. C'est par lui que vous allez passer pour installer des logiciels ou une instance terminale. Hein. Et c'est par lui que vous allez passer pour supprimer des logiciels ou par votre instance terminale. Donc, mise à jour 4. Je vais lui demander de revérifier. Alors, on va fermer un peu tout ça. Alors, si je fais Alt-Tab, ça fonctionne comment? Oh, bah ouais, hein, c'est du KDE. Hein. Graphique à mort avec. Attention. Donc, visuellement, c'est beau, mais c'est pas de trop, même au niveau des animations. C'est beau. Donc, on va fermer un peu tout ça. Fermer ça. Ok, et bien, tout mettre à jour. Le passe du Seigneur qui tue tout. Et ici, je vais chercher Cassis Guard encore une fois. Voilà que je fais ça. Oh, c'est beau. Tout est déjà mis à jour? C'est une blague? Ah ouais, tout est déjà mis à jour. Ok. Donc, ce qu'on va faire. Oui, alors, quelque chose d'important. Je n'en ai, j'ai carrément oublié d'en parler. Si je lance donc une instance terminale, donc console, voilà, affichage. Est-ce que ça marche si je fais strl plus 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 plus? Ouais, ça marche. Voilà, que je fais snap list. Il n'y a aucun snap d'installé. Donc, Ubuntu KDE est une variante officielle donc d'Ubuntu. Hein? Les snaps sont intégrés, mais il n'y a aucun snap d'installé. Et regardez ce qui est pas mal du tout. Si je lance donc Discover, bien évidemment que si je lance Muon, qui peut être comparé à Synaptic, il n'y a aucun paquet snap. Ok? Donc ça, c'est réglé. Maintenant, si je lance par contre Discover, qui peut être comparé à Ubuntu Software, GNOME Software. Regardez bien, c'est pas mal du tout. Donc, oui, ça je ne l'ai pas montré non plus. Donc ici, ce sont les mises à jour. On peut vérifier s'il y a des mises à jour. Ça, mais je pense que je vous ai montré quand même. Il n'y en a pas à propos. Donc voilà. Paramètres. Regardez. Firmware update. OK. Firmware update. Maintenant, vous dire vraiment à quoi ça correspond. Je vois LVFS, donc Linux Vendor Firmware Service. OK. Là, ce sont toutes les sources. Et là, je vois Snap définir. Comme par défaut. Ah. Ok. Ça, c'est pas mal. Par défaut est défini donc les paquets en provenance des dépôts officiels. Hein, DEB. Mais je peux définir Snap comme défaut. Pas mal. Donc par défaut, Snap n'est pas défini. Ce qui veut dire que si je me rends dans Application. Et allez, qu'est-ce que j'irais bien chercher? Attendez, je réfléchis.
Je me rends dans multimédia, lecteur vidéo. Si je prends handbrake, mauvais exemple, donc multimédia, lecteur vidéo. Attendez, je regarde. Voilà, regardez. Simple screen recorder, je l'ai installé. Vous l'avez vu en début de vidéo. Mais regardez, je peux choisir la source. Voilà. Installé en provenance de dépôt officiel. Donc d'Ubuntu ou, regardez, paquet Snap. Voyez? Donc ça par contre, c'est pas mal du tout. OBS. Ok, attendez, je vais faire retour. Accessoires. Hein? Quête. Source. Donc en provenance de dépôt officiel ou paquet Snap. Bureautique. Enfin, vous avez compris le délire, c'est pas mal du tout. Ce qui veut dire que oui, on peut installer des paquets Snap si on veut. Mais ici, par contre, voilà, c'est pas eux qui vont être mis en avant. Parce que si en plus on fait pas attention, on choisit pas sa source, mais par défaut, ce ne sera pas le Snap d'installer, mais le paquet en provenance des dépôts officiels. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est pas mal du tout. Alors, pour gérer l'ensemble du système, c'est pas difficile. Configuration du système. C'est par là que vous allez passer. Ok. Donc, on ferme ceci. Voilà. Donc, configuration du système. Donc, utiliser fréquemment. Voilà. Donc, thème global, gestionnaire d'utilisateur, verrouillage d'écran, économie d'énergie, configuration de l'affichage. Thème global. Voilà. Brise sombre. Kubuntu. Brise sombre. Appliquer. Pas se faire avoir. Voilà. Style plasma. Brise sombre. Apparence des applications. Brise, fusion, oxygène. Couleur. Regardez tout ce, mais tout ce qu'on peut régler. C'est hallucinant. C'est pour ça qu'on choisit K2 Plasma. C'est hallucinant. Regardez, je fais même pas tout, hein, loin de là, hein. Regardez, là je suis sur les émoticônes, je ne saurais pas tout faire dans le menu, tellement il y a. Donc là j'étais dans apparence, espace de travail maintenant. Regardez tout ce qu'il y a, regardez, oula. Regardez tout ce qu'il y a, je ne saurais jamais tout faire. Pourtant vous me connaissez, hein. J'aime m'attarder sur les options. Mais je saurais jamais tout vous montrer. Personnalisation, détail du compte, paramètres régionaux, port, réseau, configuration, connexion, administration du système, donc infosystème, matériel, périphérique d'entrée, affichage écran, audio. Wow, c'est incroyable. Voilà, tout simplement. Sinon, comme logiciel installé. Donc, on va faire comme ça. Ah oui, alors, ce qui est génial, je le montre quand même. Donc, si je fais clic droit et que je me rends sur... Attendez, il faut que je cherche.
Afficher les alternatives. Voilà. Il y a plusieurs sortes de lanceurs. Et menu simple, menu des applications, tableau de bord des applications. Là, apparemment, je serai dans menu simple. Ou, non, je serai dans lanceur d'applications. Menu, ah oui, non, il y a quatre. Il y a lanceur d'applications par défaut, menu simple, menu des applications, tableau de bord des applications. Tiens, il y en a un nouveau, il me semble qu'avant, il y en avait que trois. Il n'y avait pas un menu simple. Donc, changer. Ah! Ah ouais, il n'y a pas besoin de cliquer, c'est instantané. Pas mal. Clic droit, alternative, menu des applications. Voilà. Pas mal, hein, avec tous les raccourcis ici. Celui-là, il est chouette aussi, hein. Et alors, le fameux tableau de bord des applications. Pourquoi je dis fameux? Parce que visuellement, c'est celui-là qui claque le plus. Et voilà, on n'y va pas de même ordre. Donc, les favoris ici, les catégories ici. C'est pas mal. Si vous voulez rechercher quelque chose, ben vous faites le VLC. Oui, il y a une zone de recherche pour toutes les catégories de menu, hein. Même dans le menu simple, si je fais changer, voilà, et que je fais VLC, voilà, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Moi, je vais utiliser, je sais pas, tiens, afficher les alternatives, celui-là, pour en mettre plein la vue, c'est cas de plasma quand même. Bureautique, qu'avons-nous? LibreOffice, allez, on lance LibreOffice. Carsisgraph, oui, ça marche bien. En black ainsi, c'est pas mal. Hein. Alors, LibreOffice, on lance Writer. Est-ce que c'est en français? Ok, c'est en français. Tout est en français. C'est génial. On continue. Bureautique. Bon, on a tout fait, configuration, éducation, graphisme, GrandView, donc visionneur d'image, visionneuse d'image. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà, visionneuse d'image, ok. On continue. Graphisme, Internet. Le cas de connect. Ah, nous avons conversation. IRC? IRC, mais pas que peut-être. Si, je pense que c'est IRC. IRC, je pense pas que c'est messagerie instantanée, genre Facebook et tout ça. Internet, je vois qu'on a KRDC. Donc ici, ce ne sera pas Remina, ce sera KRDC. Oh, ben oui, KDE Plasma embarque. Toute la panoplie, enfin pas toute la panoplie logicielle, mais bon nombre de logiciels, une partie des logiciels KDE. C'est remarqué, tout commence par K. Nous avons K-Calc, nous avons Conversation, KRDC, nous avons Console, donc Internet, KRDC, KTorrent. Voilà, oh là là. Regardez-moi ce logiciel-là. C'est magnifique. Internet. Messagerie Thunderbird. Oh, Thunderbird. Yeah. Ah, au niveau du thème, bon, il y a un petit hic, mais bon, ça va. Tiens, 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 je pensais à quelque chose. Si je fais configuration. Donc j'étais où? Thème global. Et que je rechoisis Kubuntu. Appliquer. C'est bon? Oui, tout change. Magnifique. On va fermer un peu parce qu'on lui en demande beaucoup quand même. Hop. 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 Alors, on continue. J'étais où moi? Tiens.
On va essayer un autre menu. Clic droit, alternatif. Je vais essayer le menu, juste le menu des applications. Voilà. Celui-là, il est cool. Donc, j'étais où? Internet. Donc, Firefox, bien évidemment. On va voir si tout fonctionne. YouTube. Pas faire ça, faire ça. Voilà. On va chez le fou. Et le fou a présenté dernièrement Ubuntu 20.04, installation en dur. Ça marche bien. Et bien là, le titre, moi, ce sera Ubuntu 20.04, installation en dur. Ça marche très bien. Pas de tearing avec le pilote libre. Pour ça, il faudrait chercher, regardez, il faudrait chercher quelque chose qui bouge un peu plus. Peut-être ceci. Non, ça marche pas mal. Ok. Ensuite, donc j'étais où moi? Multimédia, non, Internet, oui. Jeux, ça je m'en fous un peu, mais regardez, il y a plusieurs catégories. Dans la catégorie jeux, il y a des sous-catégories. Jeux de cartes. Regardez, jeux de cartes. Cas patience. Donc c'est tout. Ce sont tous des jeux créés pour l'environnement de bureau KDE. Cas Sudoku. Ah, ici, il n'y a pas. Ah si, non. Cas Mahjong. Cas Mine. Multimédia. Elisa. Ah, Elisa. Ah, Elisa, gestion de la musique. À propos d'Elisa, un lecteur de musique simple écrit avec les cas de Framework. Oui, par exemple, regardez ici, c'est Elisa. C'était écrit avec le framework KDE, mais voilà, son nom, ce ne sera pas K-Elisa, c'est Elisa. Vous voyez, donc il y a quand même des exceptions. Multimédia. Ah, ben, il y a quand même VLC, hein, voilà. C'est pas KVLC, c'est VLC. Pulse Audio, Simple Screen Recorder, Système. Donc, centre d'information. On peut lancer le centre d'information, regardez. Mémoire. Ça, c'est génial aussi, un chez KDE. Information sur l'énergie. Donc, indicateur de l'indexeur de fichiers. Information sur les périphériques. Boum, allez, on ne chipote pas. Voilà, tiens. Information sur le réseau. État de Samba. Ah, état de Samba. Dolphin, viens ici, mon ami. État de Samba. Donc, si je fais ça. Que je fais réseau. Ouh. Non. Je reviens en arrière. Réseau. Par contre, je ne vois pas. Mes machines sur le réseau. Ah. Donc, si je fais SMB, non. Si je fais alors, seulement 2.168.2.26. Oh, on ne la voit pas, mais apparemment, on y a accès sans aucun souci. Oui,
Ça fonctionne. Je ne la vois pas, mais apparemment, voilà. J'ai accès sans aucun souci. La preuve, si je fais, je sais pas moi, soft, je sais pas moi, app image, etcher, que je fais copier, que je viens sur le bureau, que je voudrais juste coller KDE. Ah voilà, coller. Splendide. Ouais, nickel. Bien joué, Samba. Locator de Samba. Ah merde, j'aurais bien voulu voir là, tant pis. Interface réseau. Information graphique. WLAN. Serveur X. OpenGL. Donc je. Ok, c'est bon. Ça, si je fais clic droit, déplacer dans la corbeille. Splendide. Qu'est-ce que je voulais encore tester? Ben attendez, je continue. Donc multimédia on a vu, système. Ah oui, attendez, 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 j'ai dit une bêtise. Nous avons Discover, mais nous avons également Muon. Ah, Muon, viens ici, Muon. Ah, ok. Donc Discover peut être comparé à Ubuntu Software, GNOME Software, voilà. Muon peut être comparé à Synaptic. D'accord. Ah, génial. Pas mal du tout. Alors, ça fonctionne aussi. Très bien. Simple. Screen. Recorder. Par contre, il me met. Ah non, 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 pour des pins. Pour des pins. Et si je fais screen. Tiens, par contre, regardez, il trouve pas. Ça, c'est bizarre. Il ne le trouve pas. Si je fais. Recorder. OBS Studio. Voilà. Ok, le voilà. C'est bon. Ah, génial. Pas mal du tout. Donc, système. Donc, ça, c'est gestionnaire de partition KDE. Et il faut élever. Les privilèges, voilà. Yeah, pas mal du tout. On peut voir mon slash bot slash EFI. On peut voir. Voilà. Attendez, je réfléchis. Voilà. Slash bot slash EFI en FAT32. Mon système Windows. La partition étendue donc pour mes deux systèmes Linux. 32 Go 85 donc Ubuntu 20.04. 22 Go 83 pour Kubuntu 20.04. Ok. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, on continue. Console, ksysguard, ksystemlog. Allez, montre-moi les logs. Boum! Allez, on n'y va pas de même ordre. C'est génial, on peut tout voir. Pas mal. Recharger. Ok, allez, on a assez fait joujou. Système. K-Wallet Manager. Donc pour tout ce qui est les clés. Portefeuille. Voilà. Alors, Startup Disk Creator.
Ok, donc alors je continue. Système à vue, utilitaire ARC, donc gestionnaire d'archives. Qu'avons-nous? Quête. J'ai oublié c'était quoi quête, quête, quête. C'est quoi déjà? Ah bah gestionnaire de texte, éditeur de texte simple. Voilà. Avancé. Pardon. Pardon pour l'insulte. Ce n'est pas gédite, c'est quête. K-calque. Calculatrice. Sélecteur d'émoji. Hier. Spectacle. Tiens, c'est quoi ça? Ah. Mais je n'avais pas besoin de. Attendez. Ah non, ok, pardon. C'est un. Capture d'écran. Ok, mais c'est pas un recorder d'écran. J'ai eu peur, j'y vais, je suis con, j'ai été installé Simple Screen Recorder. Ok, pas mal. Donc si je fais enregistrer sous. Je sais pas, moi je fais bureau, enregistrer, voilà, au revoir, double-clic. Qu'est-ce qui s'ouvre? C'est GwenView. Splendide. Si je ne monte, wow, c'est bardé d'options, hein. Partager. Tiens, c'est vrai qu'on. Dans Gnome, il y a les fameux comptes online, on est d'accord. Eh bien ici, si je fais 1, mais si on a les comptes en ligne. Voilà, ajouter un nouveau compte. OneCloud et Google. Non, attendez, attendez, attendez. Ok, pas que je fasse le fou. Donc, par défaut, rien n'apparaît. Si je clique sur Ajouter un nouveau compte, ok, là, j'ai, entre guillemets, juste le choix entre OneCloud et Google. Si je fais Google, Plasma intégration by KDE. Ok, pourquoi pas. Ouais, mais là il y a un petit bug. Réglage par défaut. Ok. Ça c'est, je pense, voilà, tout ce qui est compte en ligne, c'est le point fort de l'environnement de bureau Gnome. Hein. Mais voilà, il faudrait que je teste plus en profondeur, mais de toute façon, si apparemment ici, voilà, on a le choix que entre OneCloud et Google. Voilà. Annuler. Utilitaire, je pense que texte info. Ok, ce sont les infos via une instance terminale. J'ai tout vu. Aide. Ah, j'ai un petit bug graphique, moi. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je vais tester? Oui, le GSM. Le GSM, si je fais Dolphin. Déjà, ce que je vais faire, je vais prendre une photo. Hein, avec mon GSM, sinon. Voilà. Alors, je vais brancher mon GSM. Voilà. Toum-toum. Je veux. Parcourir les fichiers. Autoriser sur mon téléphone. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Dossier personnel.
MTP. Comment ça? Le MTP. Bon. On fera autrement. Je débranche. Voilà. Je veux parcourir les fichiers. OK. Card. DCIM. Caméra. Yeah, pas mal. Par contre, ben ça c'est peut-être des réglages hein, pour voir les vignettes. Oui, moi je connais pas K2 Plasma, je connais pas. Je suis sûr qu'il fallait demander à voir les vignettes, je pense. Ici, si je clique, est-ce que je peux lire la vidéo? Mais c'est pas de la musique, c'est une vidéo. Ah voilà, mais là il copie, voilà, il ne lit pas directement sur la carte SD. Et j'ai un petit bug. Ok. Il faut voir maintenant si ça se trouve dans la mémoire du téléphone et pas sur la carte SD. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Si, il faudrait tester. En attendant, si je fais ça, que je fais copier bureau, que je colle. Ok, si je reviens en arrière, que je fais supprimer. Non, surtout pas, mais ça, oui. Donc supprimer, supprimer. Ok, ça marche. Si je reviens dans bureau, que je fais copier et que je recolle ici. Ok, bon, pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'en ai fini avec K2. J'ai ma petite idée. Et ma petite idée, elle est pas mauvaise du tout. Elle est bonne. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Là, je vois que dans la zone de notif, ok, j'ai pas mal de logiciels qui sont restés ouverts, quittés. Quittés. Ah ben, il veut pas, donc faut peut-être que je fasse média. Quittés. Petit bug, petit bug. Pas grave. Ici, bah, c'est tout ce qu'il y a eu dans le presse-papier, d'accord. Bluetooth, ah, Bluetooth, tiens. On va essayer le Bluetooth tant qu'on y est. Regardez. J'active le Bluetooth. Voilà. Ajouter un périphérique. Ah, il a trouvé. Suivant. Ok. Yeah. On est bon, les amis. Envoyer un fichier, je sais pas moi. Voilà. Attendez, je fais autrement. Créer un nouveau. Hop. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, j'ai le coin réactif. Merde, ça m'a fait bizarre. D'accord, je ne savais pas. Donc, je vais faire copier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait ça. Et maintenant, je veux le coller. Ouais, mais alors, ça va comment?
Ah, ben je choisis, ok. Voilà, je choisis juste le fichier. Envoyer. Je l'ai sur mon GSM, c'est génial. Ah, c'est pas mal. Pas mal, ça marche bien. Ça marche bien. Et si je vais, attendez, et un plus gros, tiens. Si je fais Dolphin, voilà. Je pense que dans la corbeille, j'avais ça que je fais restaurer. Il va aller sur le bureau, voilà. Clique sur Bluetooth. Envoyer. Bureau. Le MP4, envoyer. Faut voir si ça va aller. Ouais, regardez, 110K au second. Et pourtant, je suis tout prêt. Donc on va abandonner. Le Bluetooth c'est bien, mais hein, voilà, c'est abandonné. Eh bien écoutez, moi je vous laisse les amis, pour moi ça marche très bien. À voir ce que je vais, si je vais tester d'autres distributions. Et ensuite, quand j'aurai fini mes tests, à voir laquelle je vais choisir. Entre GNOME et KDE, Plasma, mon cœur balance. Allez, bye bye.